l'Éternel comme il est bon. Il nous délivre de nos oppresseurs, c'est lui qui donne la nourriture. Quand sa miséricorde dure toujours. Hey! Louez, louez, louez l'Éternel. Quand il est bon, quand il est bon, quand il est bon. Quand sa miséricorde dure toujours. Somme 136, loué, car il est bon, c'est lui seul, loué l'Éternel, car il est bon, hey, yeah, car il est bon. Il a créé le soleil pour présider au jour, les étoiles et la lune pour présider à la nuit. Il a créé le soleil pour présider au jour, les étoiles et la lune. Pour présider à la nuit, il a créé le monde, il a créé la nature, il a créé l'univers, car son amour n'a pas de fin. Louez l'Éternel. Hey, yeah. C'est lui seul qui fait de vos merveilles. Louez l'Éternel. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amis. Comment allez-vous? Marie-Hélène. Hola, buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? Hola, Fabien, Philippe. Fabien, Philippe. Hola, ¿cómo estás, amiga? Bonsoir, Fabien, Philippe. Bonsoir, bonsoir.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans les cours de français et d'espagnol. On va démarrer dans une minute. Hola, hola, amigos de Facebook. Dans une minute, on va démarrer. Hola. Mes amis. Marie-Hélène. Doran. Ok. Donde está? Bonsoir. On va démarrer. D'accord. Dans une minute. Bonsoir. Marie-Hélène. Hola, amigos. Buenas noches. Ça va bien. Ça, c'est Facebook. Ok, d'accord. Ok. Bon, Marie-Hélène. Bon. Marie-Hélène, madame, comment allez-vous? Yo estoy bien. Yeah. Et tu, comment estás? Très, très bien. Merci. Et puis, comment vous avez passé ta journée? Comment vous avez passé votre journée? Bien? Muy bien. Gracias a Dios. Passé muy bien. Wow. Et tu, comment passaste tu día? Wow, moi, ma journée, c'était merveilleux par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, vous allez prier pour nous, madame. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? Claro que sí, yo puedo. Vous allez nous conduire dans la prière. Amen. Mesdames et messieurs, nous avons Marie-Hélène qui va nous conduire dans la prière avant de commencer. Merci. Amen. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. La entregamos en tus manos. Amén. Condúcenos en esta clase. Bendice a las personas que nos están mirando y que podamos intercambiar la cultura juntos, aprender francés, español. Es un gusto para nosotros. Ponemos este proyecto en tus manos, Papito Dios, y glorifícate. Entrego mi familia, mi vida y de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amen, amen. Amen. Marie-Hélène, est-ce que vous êtes prête pour travailler ce soir? Sí, yo estoy ahora muy dispuesta para trabajar. Wow! Qu'est-ce que vous allez offrir aux gens qui sont avec nous en ce moment? Vamos a tener una conversación sobre wow. todo lo que hemos aprendido, amigos. Ok, wow, eh bien, pas de problème. Eh bien. Arrangez-vous, madame. Bueno, nous allons faire une conversation. Merci. Combien de personnes qu'on a en ce moment? Ok, nous avons Mathieu, nous avons Légenderie. Mathieu, mais... Au Facebook, hola, nous avons hola, Fabienne, Philippe, hi, Fabienne, hi, mis amigos. Ok, Fabienne est en train de vous saluer, madame. Fabienne te está saludando. Hola, salut, Fabienne, muy bien, qué bueno, estás con nosotros. Oh, Dios bendiga ustedes, gracias. Recibimos lo que usted está diciendo en el nombre de Jesús. Ok. Merci pour votre souhait. D'accord. Nous allons démarrer. Hola, amigos de Facebook. Salut, mes amis. Elien, en Facebook. René, hola, estás feliz. Un gusto. ¿Con quién tiene? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Ok, depuis Brésil, estoy feliz, gracias, merci, c'est pas seulement toi qui est en joie, c'est pas seulement toi, c'est plutôt nous, alors nous devons dire, Elune René, nous devons dire, c'est, ok. Hein? Oh, ouais, depuis au Brésil. D'accord. Alors, nous sommes en joie, nous sommes heureux parce que nous avons Dieu qui est avec nous. La grâce de Dieu, d'accord, est en nous.
Marie-Hélène. Bien. Hola, ¿cómo estás? Muy, oh, je suis très bien. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, alors, je ne vois pas aucune personne pour le français. Et puis aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose, mais ça, avant d'entrer, avant d'aller plus loin, regardez, aujourd'hui, je vais tenter parler créole avec Marie-Hélène, juste pour voir, je ne sais pas si elle va nous comprendre. Alors, quand même, nous allons parler créole quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons entamer le créole avec Marie-Hélène. Alors, je ne sais pas si elle va nous donner la réponse, mais on va tenter de le faire quand même. On va tenter de le faire. Marie-Hélène, comment y est? Muy, muy bien. Comment y est? Muy, muy bien. Mes amis, eh bien, qui sont venus faire là, madame? Donner la classe. Ou venir by classe? Oui. Wow, Marie-Hélène vient by classe. Qui classe ou vient by là? Spanish. Spanish. Spanish, ça c'est anglais. L'on dit Spanish, ça c'est anglais. Panol. Espagnol, non panol, espagnol. Mes amis, faut nous corriger. Mes amis, vous devez corriger à Marie-Hélène. D'accord? Et c'est pour nous corriger à Marie-Hélène. Si la bande nous espagnol là, et puis Folka a dit 2-3 mots en créole, combien de monde qui d'accord avec moi dit, si nous d'accord avec moi, écrit un petit bagage pour moi pour nous quitter, nous connaissons, si nous d'accord ensemble avec moi. Bon, d'accord. Les plus temps de français, mais je dis à ces créoles là, combien de monde qui d'accord avec moi, écrit un message pour moi, si nous d'accord avec moi. Oh, de nada. Merci Fabienne. T'as nous pas commencer, on va commencer à tout à l'heure. Bien, oh yes, ok, bien. Bon, créole, tout le monde connaît, vous le savez déjà, créole, c'est notre langue, et puis, pourquoi pas, elle doit apprendre les créoles, elle doit apprendre à parler le créole. Aujourd'hui, nous allons enseigner le créole à Marie-Hélène Solis, à Marie-Hélène P.S. Solis. Madame Jodia, wapal travail à moun en créole et puis m'bakone. Yon applaudissement pour Marie-Hélène, vous pouvez attendre. C'est pas bagay nous, j'aime qu'on fait, parce que j'aime parler créole ensemble avec lui, mais li contente un pile moun qui parle créole, et puis de toute façon, Jodia, li entre dans la bataille là. Est-ce que vous mariez déjà? Oui, j'aime. Est-ce qu'on marié déjà? Oui. Hey! En espagnol, réponds-moi en espagnol. Est-ce qu'on marié déjà? Si, estoy casada. Oh, ou marié? Si, estoy casada. Combien petits tu gagnes? Tengo 2 hijos. Ok, enseignez mon yo avec Douetou. Combien de monde ou gagnez? 2. Ok. Qui attention. Qui côté sorti? Qui nationalité ou qui pays ou? Je suis équatoriana. Ok. Ou c'est équatorienne? Si. Ok. Comment petit ou yorele? Mathieu et Pierre. Mathieu et Pierre. Wow. Côté petit ou yo? Aki. Ok. Rele yo pour moi. Mathieu Pierre, vengan aquí. Ok, bon, nous avons Pierre et nous avons Mathieu ici. Monsieur Sayo, c'est petite Marie-Hélène. Monsieur Sayo, c'est petite Marie-Hélène, yoye. Alors que, qui est-ce qui papa yo? Moi-même, ah. Makon Neg Sayo, non? Makon Neg Sayo. Mire la cara, igualito Sayo. Non! Nèg sa yo m pa konnen yo. Frèm Sèmi yo zanmi m yo m pa konnen yo. Ki papa yo? Mwen-menm, m pa papa nèg yo. Koman nèg yo rele? Mathieu et Pierre. Ebi ok. Di nèg yo pou yo di yon bagay. Di nèg yo pou nèg yo di moun yon bagay. Saluden en criola la gente. Bonsoir.
Oh, oh, plus fort. Bonsoir. Seulement bonsoir. Bonsoir, bonsoir à qui? Aujourd'hui, c'est créole. Aujourd'hui, on parle le créole. C'est créole qui parle là. Okay. Elle habla para ti, créole. Ok. Non. Dis quelqu'un. Ok. Est-ce que tu vois quelques personnes ici que tu connais? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eh bien, ok. Et dis quelque chose en créole. Allez aux gens. Dis quelque chose en créole. Tu ne sais pas? Oh, tu ne sais pas aucune chose en créole? Bienvenue dans la classe. Eh bien, plus fort. Bienvenue dans la classe de français et espagnol. Ok, bien. Et maintenant, viens vous dire ton goût. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes manger dans la nourriture? Dans la nourriture haïtienne, qu'est-ce que tu aimes manger? Tout ça? Moi? Oh, en créole. Moi, j'aime manger bouillon aussi avec gruyau. Avec riz, avec sauce pois. Oh, 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 yo, applaudissements. Ok, maintenant, nous allons écouter à M. Pierre Clotet. Avant de commencer, il faut me faire nous, faut me faire et parler. Même si Abdi m'anglais, aujourd'hui, ce n'est pas anglais. Mais ce n'est pas parler, ce n'est pas l'anglais qu'il va parler, c'est plutôt créole. Il va vous dire quelque chose en créole. Ok, tu vas dire quelque chose aux gens en créole. Allez. Vas-y. Bien, salut le peuple. Bonsoir. Plus fort. Bonsoir. Et qu'est-ce que tu peux dire de plus? Plus fort. Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Dis ce que tu aimes manger. Regarde, tant mange haïtienne, yo. Tant mange haïtienne, yo. Lève-toi. Tu manges beaucoup la nourriture haïtienne. Dis ce que tu aimes manger. Plus fort, non, regarde ici. Oui, yo. Jamais c'est manger haïtien, yo, kouni l'alba, vle, sinou ki sal manger. Dis. Griot. Griot, ok, quoi? Autre chose. Regarde le gens. Turkey? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Hein? Tu n'aimes pas manger la nourriture haïtienne? Poulet. Ok. Parle. Rapide. Poulet, ok. Autre chose, mais ça c'est français, poulet, quand du poulet, ça c'est français. Lalo, plus fort, dis ça plus fort. Lalo! Ok, nous applaudissons pour vous, c'est quand même bon. Madame. Hey, monsieur, manger haïtien, yo. Eh bien, faut que je dis à Fokli, dis-nous qui ça le remet. Si monsieur passe la caille nous pour nous capable balle un bagage mes amis. Et bah vrai mon moyo. Hein? Et bah vrai madame. Et bah vrai madame. Si. Et mais je dis on va manger quoi? Je dis à ces créoles que vous va parler à mon yo là. D'accord. En espagnol s'il vous plaît. Si. Está bien. OK. Dis qu'ils sont pas lancés mon yo aujourd'hui. Hoy día solo vamos a conversar. ¿Qué les parece? Bon, je dis à Lydie, c'est seulement la faire conversation en espagnol. Si nous d'accord, si nous d'accord pour l'écrire ou demander conversation comme ça pour nous faire, ou à quitter nous connaître, quitter un message pour nous là, d'accord? Ah, bien, c'est ça, mon maillot. N'a pas dit. Je dis à ces créoles là, nous te voulons frapper là, et bien, n'a pas gardé pour nous qui ça nous capable de faire. Aujourd'hui, on ne parle pas le français, c'est plutôt le créole parce que. Marie-Hélène a besoin d'apprendre le créole. C'est très nécessaire, c'est très important aussi. OK? Elle va le faire avec vous-même. Elle va vous enseigner l'espagnol et puis, et en même temps, hein, pourquoi pas, elle peut apprendre le créole avec vous. Pas vrai? Si c'est vrai, dis-moi c'est vrai. Si c'est une réalité, laissez-moi savoir. D'accord, mes amis? D'accord, c'est ça. Eh bien, OK. Nous t'ai parlé dans la dernière classe là, avec qui est l'homme marié, pas vrai? Si. Et l'homme célibataire, comment? Tu es casado?
M'ba ko marié. OK. Mes amis, je ne suis pas encore marié, mais pas encore marié. Et qu'on est là, moi j'ai une demoiselle là qui en face moi là, la marier ensemble avec moi. Que dicen amigos? ¿Se casa o no se casa conmigo? Fabi, bueno. OK Fabi. OK, écoutez. Ou vle marier avec moi? Si. Moi même pas qu'on vle marier, non? Non. Pourquoi? Tu veux m'épouser? Si. Pourquoi tu veux m'épouser? Porque eres mi marido. Je ne suis pas marié. Je suis célibataire. Je suis célibataire. célibataire. Mentira. Je suis célibataire. Je ne suis pas marié. OK? Je n'ai pas encore pris l'engagement du mariage. Je vous avais tout dit hier. Comment, laisse-moi savoir. Comment tuviste estos hijos? De quels hijos, Mr. Nablan? Estos niños. OK. Tu viens me parler des enfants? Si. Hein? Si. Où sont mes enfants? Mathieu et Pierre. Oui, où sont mes enfants? Passez-moi ici. Bon. Aquí están sus hijos. Miren, son sus hijos. Comment tu t'appelles? Mathieu. Qui est ton papa? Toi. Non, moi je ne suis pas ton papa. OK. Qui est ta mère? Mamie. OK, mamie. Comment elle s'appelle? Marie-Hélène Solis Pérez. Oh, OK. OK, bien, OK, vas-y. Et tu es Ronald Clotet. Moi, je suis Ronald Clotet. Moi, je suis célibataire. Non, tu es mon père. Non, je ne suis pas. Non. OK. Madame, tu veux marier? Si, je veux casser. Mais casse-toi conmigo. Comment? Casse-toi conmigo. Je ne veux pas marier, moi. Est-ce que tu veux marier? L'autre semaine, nous vamos a casar. Están invitados a la boda. OK. Elle vous invite dans son mariage la semaine prochaine. C'est ça qu'elle est en train d'en faire. Elle est en train de vous inviter dans le mariage, dans son mariage la semaine prochaine. D'accord, Pierre. OK, cher Pierre. Qui est Pierre? C'est toi? Oui. C'est toi? Yeah. C'est ça? Non. Non? Mm-hmm. Non. Miss, OK. It's a fun. OK. I like it. Merci. Et thank you, Pierre, for my home deploy. OK. I got you. Thank you so much. Welcome. OK, bien. Hola, amigo, ¿cómo estás? Están invitados, amigos, la otra semana me voy a casar con este hombre. OK, l'invitez-nous pour un mariage la semaine prochaine. Avec mon niveau marié, c'est avec. Et moi-même, je ne veux pas le marier. Elle-même l'a invité, l'a appelé de passer faire invitation à nous toutes. D'accord? Elle est en train de vous inviter dans son mariage avec qui elle veut marier. Alors, c'est avec moi. Moi, je ne veux pas encore prendre dans l'engagement du mariage. Mais non. Se casa conmigo. Mes amis, vous devez prier et aidez-moi à prier afin que je ne puisse pas prendre l'engagement du mariage. Aidez-moi à prier. Te vas a casar conmigo. Comment? Te vas a casar conmigo. Hey! Te vas a casar. Tu quieres? Tu veux m'épouser? Si. Tu veux marier avec moi? Si. Tu veux m'épouser? Si. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas marier. D'accord? Oui, non. Non, señora. Je ne veux pas casar. Estás
casado conmigo. Yo no quiero casar. Je ne veux pas marier. Je no quiero casar. Ok. Uh-huh. Combien de vous qui ont déjà pris l'engagement du mariage? Laissez-moi savoir. Moi, pas encore. Ok. Vamos a hacer, vamos a hacer. Ah, ok. Ok, ok, ok. On y va. On y va, on y va. On y va, 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 on y va. Mesdames et messieurs, merci, merci d'être avec nous. Bien, ok. Nous avons It's Funny. Nous avons Monsieur Pierre. We have Mr. Pierre. Thank you. Welcome, 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 Mr. Pierre. Welcome for coming. Thank you for your support. Thank you for your help. Ok. Fabienne, Philippe, est-ce que tu es toujours là ou toujours là, Fabienne? Are you here? Let me know if you are here with us. Let me know. Thank you, Fabienne. Thank you, Mr. Pierre. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, yes, yes, yes. Okay, let's go. Okay, yeah. On va travailler. Très bien. Et la... Hier, on avait parlé et... ¿Cuál es tu apellido? Okay. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es tu nombre y cuál es su nombre? On avait parlé de quel est ton nom. Quel est ton nom signifie... Ok, quel signifie cuál? Quel signifie cuál? Es signifie es. Et puis... Votre signifie sous, nom signifie apellido, nom de la famille, signature, apellido. La signature, nom signifie apellido, nom de la famille, ok, on avait parlé de prénom et on avait parlé de nom, et maintenant, il faut savoir comment nous pouvons utiliser le vocabulaire que nous avons ici. C'est facile. Pour former une question, c'est très facile. On dit quel est ton nom? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? OK, quel est ton nom? ¿Cuál es tu apellido? Quel est OK. Quel est votre nom? ¿Cuál es su apellido? Quel est ton nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? ¿Cuál es su apellido? Bien. Quel est ton prénom? ¿Cuál es tu nombre? Quel est ton prénom? ¿Cuál es tu nombre? Quel est votre nom? ¿Cuál es su nombre? Bien. Ça, c'est une révision qu'on est en train de faire, mesdames et messieurs, mes amis. Quel est ton apellido? Moi, je suis Clotaire. Mon nom, c'est Clotaire. Ok. Mon nom, c'est Clotaire. Ça, on parle de signature. Nom signifie apellido. En espagnol, on dit apellido. Ok. Espero poder quedarme, seguir trabajando. Ok. Está bien. Está bien, señor Pierre. Está bien. Señor Pierre, está bien. Estamos siguiendo. Ok. Let's go. D'accord? Bien. Yeah. Ça, c'est facile. Pour donner les réponses, c'est facile. Pour donner les réponses, c'est facile. Quand une personne
vient pour vous poser une question. Si une personne va vous poser une question comme ça, quel est ton nom? Quel est votre nom? Quel est ton prénom? Quel est votre prénom? C'est facile. Réponse, on dit mon nom, mon nom, mon nom. C'est facile. On dit, ça, c'est en français, on dit mon nom, c'est... Mon nom, c'est... OK. Mon nom, c'est facile. En français, on dit mon nom, c'est... Mi nombre es. Par exemple, ma signature, c'est Ronald. Je peux dire, mon nom, c'est Clotaire. Mon nom, c'est Clotaire. En espagnol? Mi nombre es... Mi apellido es... D'accord? Es... Yeah. Regardez, c'est facile, c'est facile. Regardez, c'est très facile. Mon nom, c'est... Mi apellido es. Mi apellido es. C'est facile. My last name is. On parle de last name. When you talking, when you are talking about the last name, you need in French, you need to say no. In Spanish, apellido. Mon nom c'est mi apellido es. Mi apellido es. OK? Vous continuez. Mon prénom, regardez. Mon prénom, c'est... When you talk about the prénom, vous savez, this is a first name. D'accord? Mon prénom, c'est... Vous allez utiliser votre prénom. Et en espagnol, on dit mi nombre es. Mi nombre signifie mon prénom. Mi nombre es. Es signifie c'est. D'accord? Mon prénom, mi nombre, c'est es. Mon prénom, c'est. Mi nombre es. Plus fort. Mi nombre es. Mon prénom, c'est. Mi nombre es. OK. My first name is. C'est facile. OK. When you are talking about the first name, you need to say in French. OK. Vous devez utiliser mon prénom, c'est. When you're talking about the first name in Spanish, Mi nombre es. D'accord? Jusque-là, ça va? Ça, c'est une révision, mesdames et messieurs. OK? On va continuer. Et maintenant... D'accord. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. Nous avons une autre chose à faire. Et quand on a dit... Oui. Yeah. Non. En que calle? Ah, okay. Dans quelle rue vous habitez? Tout ça, c'est révision. Dans quelle rue vous habitez? En espagnol, OK. Direction. Direction. Adresse. OK, on parle de adresse. Adresse. OK. Direction, on parle de direction.
Lorsqu'on parle de direction, c'est très facile, on dit direction. Direction. Lorsqu'on parle de direction, c'est très facile. Regardez, on dit rue. Rue signifie cahier. Rue signifie cahier. Direction. Regardez. Adresse. Rue. Calle. Street. Yeah, street. Rue. D'accord. ¿Qué más? ¿Qué podemos poner? La dirección. Número de casa. Numéro. Numéro, c'est facile. Casa, apartamento. Numéro, maison. Maison, casa. Mm-hmm. Ok. Et puis nous allons utiliser tout. Regardez. Rue. Calle. Numéro. Maison. Casa. Bien. Nous allons utiliser le vocabulaire qu'on a ici. Très facile. Regardez. Bien. Dans quelle rue? Dans signifie en. En espagnol, en. En français, on dit dans. En espagnol, on dit en. En anglais, on dit in. OK? Bien, ok. Maintenant, question. Pregunta. Question. Oh, nous avons question ici. On a déjà question ici. Regardez. Question. Dans quelle rue vous habitez? Exemple. Dans quelle rue tu habites? Ok, tout ça, ce sont des révisions. Ok, regardez, en français, on dit dans quelle rue vous habitez, dans quelle rue tu habites. En espagnol, c'est facile. Calle. Tú vives. La pregunta o la segunda en. ¿Dans quelle rue? ¿Qué? ¿Dans quelle? Calle. Usted. Vive. Ya. Ok. Regardez. On parle de tu, on monte ici. On parle de vous, on fait ici. Ouais. Regardez bien, c'est facile. Dans quelle rue vous habitez? En que calle usted vive? Dans quelle rue tu habites? En que calle tu vives? C'est facile. En quelle calle tu vives? Moi, j'habite dans la rue de Atlantique. Ça, c'est un exemple. J'habite dans la rue Atlantique, tout ça. Dans quelle rue vous habitez? C'est facile.
En espagnol. ¿En qué calle tú vives? ¿En qué calle usted vive? Dans quelle rue vous habitez? ¿En qué calle usted? Usted, vous, vous, usted vive. Dans quelle rue? ¿En qué calle? Dans quelle rue? Dans quelle rue? ¿En qué calle? Dans quelle rue? Dans quelle rue? ¿En qué calle? Vous habitez. Usted vive. Un autre. Dans quelle rue tu habites? ¿En qué calle tú vives? En espagnol. Ayúdame. Ayúdame. No están viendo. Ellos tienen que escribir. Ok, va, on y va. ¿En qué calle usted vive? ¿En qué calle tú vives? Dale explicación, la gente no te ve. ¿En qué calle usted vive? ¿En qué calle tú vives? ¿Tú vives? Uh-huh. ¿Usted vive? Tocando ahora, déjame poner para ti. Ahora sí. ¿En qué calle tú vives? ¿En qué calle usted vive? Usted, respeto. Usted, respeto. ¿Y tú, confianza? ¿En qué calle tú vives? ¿En qué calle usted vive? ¿Cómo, cómo? ¿En qué calle tú vives? ¿En qué calle usted vive? Ok. De nuevo. ¿En qué calle tú vives? Dans quelle rue tu habites? Comment est-ce qu'on dit ça en espagnol? Comment est-ce qu'on dit ça? En qué calle tú vives? Dans quelle rue tu habites? Y para usted, en qué calle usted vive? Dans quelle rue vous habitez? En qué calle usted vive? Dans quelle rue vous habitez? Esto se puede usar también para saber dirección de algún lugar. Ok, ouais. Mm-hmm. ¿En qué calle está tal cosa? D'accord, c'est facile. Écrivez, écrivez pour moi, pour, écrivez pour moi, s'il vous plaît, pour dire dans quelle. ¿En qué calle tú vives? Dans quelle rue? Usted vive. Dans quelle rue tu habites? Dans quelle rue vous habitez? Est-ce que vous êtes là? Alors on va continuer, ça c'est une révision. On avait parlé sur ça hier, et puis avant d'aller plus loin, et puis laissez-moi savoir, est-ce que vous êtes là? On était en train d'en faire une révision. D'accord? Et mais YouTube ici. Non, Facebook. Merci. Mm-hmm. Non, Facebook. Voilà, voilà. YouTube. Bien, merci. YouTube. T'es con? C'est YouTube. Ah, oui, ça, c'est YouTube? Non, ça, c'est pas. Ok. J'ai fait live. Je sais maintenant. D'accord. Mais. Tu ne peux pas faire live YouTube. Est-ce que vous êtes là? Et. Mr. Pierre. Are you here? Monsieur Pierre, Fabienne, Fabienne Philippe. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? D'accord? Est-ce que vous êtes là? On va continuer. Est-ce que vous êtes là? Allô, est-ce que vous êtes là? Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais vous raconter une belle chanson. Le titre des chants. La présentation. Alors, c'est une classe. Est-ce que vous êtes là? Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon
au jardin, il y a les julots, des pas de noyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs, plein de courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Oui, bien. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des coups. D'accord, ok, merci, on va continuer, merci. Merci, monsieur, René Jean, merci. D'accord. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Là-bas. Ok, là-bas. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Yeah. Nous allons parler de là-bas. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Nous allons parler de là-bas. Il y a des cabanes, il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachin. Nous allons parler de là. Dans mon jardin, il y a des millions, dans mon chaleur, il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Ok. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Ok. T'as petit bout de fleurs, tu l'ouvres comme petite étincelle. Merci. T'as petit bout de fleurs. Ok. Et maintenant, je vous donne trois vocabulaires ici, là-bas, là. Nous allons parler de là-bas, nous allons parler de là, nous allons parler de là. Exemple. Regardez avec moi. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous enseigner comment vous pouvez utiliser les trois vocabulaires que nous avons ici. C'est facile. Là, et ça dit quoi? Là. La différence. Nous allons faire la différence entre là, accent grave. Nous allons faire la différence entre là, sans accent. Nous allons faire la différence entre là, d'accord? Signifie les lieux. Et puis, nous allons faire la différence entre là, sans accent. Là, accent grave, qui signifie... Bien. D'accord. Regardez bien. On va faire la différence entre là, qui s'écrit avec accent, et puis nous allons faire la différence entre là, qui est l'article défini, sans accent. L'article défini, sans accent. Mais là, qui signifie les lieux. Exemple, en espagnol. Allá. Non, c'est bien. Okay. Yeah, ok, allez. Allá, allí. Aquí no va a haber la diferencia, solo una letra, A y I. D'accord, sí, Fabienne, gracias, thank you. Ok, merci Fabienne. Écoutez bien, on va faire la différence entre là, nous avons là-bas. Nous avons là-bas qui signifie en espagnol, c'est allá, là-bas, allá. Et puis, nous allons faire la différence entre là, avec un accent qui représente les lieux. Et puis, nous avons utilisé là sans accent. Regardez bien. Là-bas, comment nous pouvons utiliser ce vocabulaire là-bas? Comment nous devons utiliser ce vocabulaire là-bas? C'est facile. En espagnol, très facile. En espagnol, on dit... Aya, en espagnol, on dit la signifie ahí. Ok, en espagnol, là, c'est toujours là. D'accord.
Exemple. Exemple. On va, ok. On va prendre là-bas, avant. Regarde. Facile. Où êtes-vous? Où? Vous savez déjà où signifie donde? Où signifie donde? Où signifie donde? Là-bas, ok, là-bas signifie aya. Mais où, donde? Où, donde? Là-bas signifie aya. Tandis aussi, nous avons où en français qui signifie au. Nous avons où signifie au. Nous avons où accent grave qui signifie donde. Nous avons où sans accent signifie au. Nous allons faire la différence. Exemple. Nous allons faire la différence entre où, qui signifie un lieu, et puis nous allons faire la différence où, qui signifie au. Où, qui s'écrit avec accent, ça marque les lieux. Mais où, sans accent, qui n'a pas d'accent, ça signifie au. Ronald au. Alex ou Ronald. Ok? Ça, c'est un exemple. Regardez. Alors, on va utiliser là-bas. Question. Où? Question. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est facile. Avant, on va continuer. Où est-ce que vous habitez? Où habitez-vous? Pardon. Où habitez-vous? Où tu habites? Ça, c'est un exemple. En espagnol, ¿Dónde estás tú? Ça, c'est un exemple. Où habitez-vous? Donde vive usted? D'accord? Regardez. Ce sont des exemples. Où? En donde vamos a hacerlo para lugar. Utilizamos donde para lugar. Lugar. Uh-huh. Explica. Donde? Donde está? Donde vives? Donde naciste? ¿Dónde tú eres? ¿Dónde? Para señalar un lugar. Ok, ¿d'où vient? Ok. ¿De dónde? ¿D'où vient? ¿De dónde viene? ¿D'où viens-tu? ¿D'où viens-tu? ¿De dónde tú vienes? Mm-hmm. Regardez, c'est facile. ¿De dónde tú vienes? Para esta pregunta tenemos que poner un artículo, ¿De dónde?
De dónde tú vienes. Una vez más. De dónde tú vienes. Cuando has salido a algún lugar, entonces tú le preguntas, ¿de dónde tú vienes? Yo vengo de... del sur, del norte. D'où viens-tu? En français, on dit d'où viens-tu? D'où viens-tu? De dónde tú vienes. Ok? D'où viens-tu? De dónde tú vienes. C'est facile. Ok. Encore. Où êtes-vous? Où es-tu? Pour pluriel, on dit où êtes. Où êtes-vous? C'est simple. C'est simple. Ok? Donde? Donde, ok. Donde está usted? Donde está usted? Où êtes-vous? Donde está usted? Où êtes-vous? Donde está usted? Où êtes-vous? Où es-tu? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où es-tu? Donde está usted? Où es-tu? Où êtes-vous? Donde está usted? Ok? Donde está usted? Où êtes-vous? Donde estás tú? Où es-tu? Voilà. Ça, c'est ça la différence. Et puis, O. Ok. Mais, exemple, O. O. Où? Où signifie O en espagnol? Ça, c'est français. Ça, c'est espagnol. La différence, en français, on a déjà donné exemple, signifie donde. Et comment se prononce? Où? Regardez bien la différence, mesdames et messieurs. Je vous avais tout parlé. Je vous avais tout donné d'exemples sur où, qui marque les lieux, qui signifie donde. Et maintenant, nous avons où signifie où. Nous avons où signifie donde. Où es-tu? Donde estás tú? Où es-tu? Où es-tu? Donde estás tú? Où êtes-vous? Donde está usted? Où êtes-vous? En français, on dit où êtes-vous? Ça s'écrit où êtes-vous? Où êtes-vous? D'accord? Où êtes-vous? Donde está usted? Où êtes-vous? C'est facile. Regardez. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donde? Donde está usted? Donde está usted? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Estoy aquí. Ah! Tout est... Usted está aquí? Si, sí, estoy aquí. Usted está aquí. Estoy aquí. Ah, comment qu'on écrit aquí en espagnol? Aquí signifie ici. Ici. Ya. Yeah. Aquí. Ya. Yeah. Et puis, d'accord. Aquí, estoy aquí. ¿Y ustedes dónde están? Ah, ok. Et puis là-bas, là signifie, regardez bien, là signifie allí. Là signifie, laisse-moi attendre. Là signifie allí. Regardez, où êtes-vous? Là signifie allí. Allí. Ici signifie à qui? Là signifie allí. Allí. Comment allí? À qui a dit? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre à qui a dit? À qui est en este lugar? Ok. En el mismo sitio donde tú estás. Ok. Quand on dit ici, là-bas, c'est le lieu que nous sommes maintenant. Par exemple,
Où êtes-vous? Où es-tu? Ok. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. En espagnol, on dit. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. D'accord, bien. Yo estoy aquí. Là. Allí. Ok. Tu estuviste allí. Ok, tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Tu estás allí. Ok, regardez. Je suis ici. Je suis ici. J'étais là. Ok? J'étais. Juste là, non? J'étais là. Je suis ici. Regardez bien, mesdames et messieurs. Je suis ici. J'étais là. Je suis ici. J'étais là. C'est la différence. Je suis ici. J'étais là. Ok? J'étais là. En espagnol, on dit aquí. Yo estoy aquí. Yo estuve allí. J'étais là. Estuve allí. En français, on dit j'étais là. Mais en. Estuve allí. Si nous voulons, nous pouvons poser des questions. Où étiez-vous? Réponse, j'étais là. Tu étais là, vous étiez là? Oui. Estuve allí. C'est ça la différence. Oui, estuve allí. Ici signifie à qui? Là signifie allí. D'accord? Et puis nous avons la différence entre où, qui s'écrit avec accent grave, qui signifie les lieux. On a déjà donné quelques exemples avec où, qui signifie les lieux. Et comment vous y êtes avec? La différence dans l'écriture. Solo en l'écriture, mais en la prononciation, tiene que ser où, la frase completa. Voilà. Où, où. Por ejemplo, no puede usarse où, solo para où. Où. Yeah, regarde. Yeah. Tiene que ser completo. Non, yeah, yeah. Où. Où es-tu? Où es-tu? Entonces, où es-tu? Vas a saber que es où habites-tu? Où êtes-vous? Où habitez-vous? Ça marque les lieux. Mais lorsqu'on parle de où, d'accord, signifie. Ok, lorsqu'on parle de où, qui signifie où? Quelle lettre tu écrives tant pour que ça dise O? Ahí va a decir où. Ronald O. Marie Elena. Uh-huh. Ronald O. Marie Elena. Qui a fait ça? Qui a mis sur eso? Je pense que c'est Ronald ou Marie-Hélène. Oh. Je pense que c'est Marie-Hélène ou Ronald. Marie, ok. Marie-Hélène ou Ronald. En espagnol, Maria Elena ou Ronald. D'accord? Es cuando estoy formulando lugar, una... Les lieux, lugar. Pero en el momento que hablo, tengo que formar una frase con el lugar. Oui. O la pregunta. Siempre es pregunta. Uh-huh. On utilise où qui s'écrit avec accent grave, c'est pour former des questions aussi. Où? Où? Donde? Où es-tu? Où êtes-vous? Où habites-tu? Où habitez-vous? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que vous habitez? Très bien. Et c'est ça la différence. Et j'ai déjà vous donné quelques exemples avec un des noms. OK. Et qui fait cela? Qui a fait cela?
Je pense que c'est Ronald ou Marie-Hélène qui a fait ça. Ça, c'est un exemple avec ou sans accent, qui n'a pas d'accent. Explique dans les exemples. Habla de eso. Puede hablar de eso. Para utilizar eso. Pero para nosotros no es. Sí, hija. Esa es una letra del abecedario, pero no hay vida. Sí. Ronald o... sí. No. Sí. No, no hay. Es que esto para ti, por... En francés tiene la misma escritura, solo difiere de esto. Pero yeah, para mí no. Mira, ¿dónde? Sí, sí, sí. Y O es una letra. Ya, yeah, dale un ejemplo en español como uno puede utilizar O. Ah, sí, ¿tú entiendes? Ok, es fácil. D'accord. Pues cuando quiero diferenciar entre una u otra cosa. Una u otra cosa. O otra cosa. Una o otra persona. Puede escribir. Ok, Marie-Hélène est en train de vous expliquer O sans accent. Et O qui signifie ou en français, en espagnol on dit O. Qui est enseignando la lengua? Qui? Rona o Marie-Hélène. Ok, c'est tout. Yeah. Ok, c'est ça. Et maintenant, adiós, ¿dónde? ¿Dónde? Para lugar. Y ahora, là. Là-bas. Todo lo que estamos aprendiendo es lugar. Estoy aquí, estoy allá, estoy allí. Là-bas. Là-bas, on va parler de là-bas. Nous allons parler de là-bas, signifie allá. Allá. Esto es el tema lugares. Les lugares, lugares. Aujourd'hui, les... nous sommes en train d'en parler des lieux. Nous sommes en train de parler des lieux. Regardez bien. On avait fait la différence entre où, hein, qui signifie les lieux, où signifie donde, qui marque les lieux, et puis où sans accent. En espagnol, on dit o. Et puis on a déjà donné quelques exemples sur ici ou là. Ici, je suis ici. J'étais là. J'étais là avec accent grave. J'étais là. Ou je suis ici. En espagnol. Yo estoy aquí. En espagnol. Estoy aquí. Je suis là. Estoy aquí. Ok. Là, j'étais là. Yo estoy allá. Ok, est-ce que tu étais présent? Sí, ouais, ouais. Estoy aquí. Sí, yo estaba ahí. No, ¿dónde? Sí, tu étais là, allá. Tu étais là, allá, tu étais allá, ahí, allá, allí, là. No. Ok. Allá, no. Ahí. Ahí, allá. Estoy aquí. Estoy aquí, ok, je no suis là. Estoy allá. Estoy aquí. Ok, donne la différence. Maintenant, on va parler de là-bas. On va parler de là-bas. Nous allons faire la différence entre... Ok. On va voir. Regardez bien. Regardez, c'est facile. Regardez. Comment nous pouvons utiliser ce vocabulaire qui dit là-bas, c'est toujours les lieux. Ça marque les lieux. Ça marque les lieux. Les lieux, là-bas. Et Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? Si tu estuviste allá. Allá. Est-ce que vous étiez là-bas? Ça, ce sont des exemples. Nous pouvons utiliser ça. Comment nous pouvons utiliser? Comment podemos utilizar allá? Yeah. Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? En espagnol... Usted estuvo. Estuvo. Usted estuvo.
Estuvo, mais en pasado. Ok, pasado. Ok. Podemos escribirlo? Mm-hmm. Yeah. Là-bas, allí. C'est facile. Très, très facile. Là-bas, est-ce que vous étiez là-bas? Usted estuvo. Tu estabas. Facile pour utiliser. Tu estabas. Non, usted, vous. Usted estuvo allá. Ok, ponga la gente de l'anglais. Usted estuvo allá. Usted estuvo allá. Usted estuvo allá. Yeah. C'est facile. Facile. Usted estuvo allá. Usted estuvo allá. Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? Oui. Oui, j'étais là-bas. Un autre exemple. Si vous ne pouvez pas utiliser vous devez utiliser tu. Vous devez utiliser tu. Est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais là-bas? Est-ce que tu étais là-bas? Est-ce que tu étais là-bas? Le même, non? C'est toujours la même, non? Mais quand on est en train de tutoyer, c'est tout. Tu estás allá. Tu estás. Le passado. Estabas. Était. Porque ahí el presente. Estás. Non, passado, c'est la pregunta. Passé, ça c'est une question au passé. C'est une question au passé. Estabas. Allá. Et ça s'est passé. Est-ce que tu étais là-bas? En espagnol, tu estabas allá. Allá. Tu estabas allá. Eh bien, pour présent, c'est facile. Pour présent, présenté, c'est facile. Présent, voilà. Présenté, non? Si vous voulez. Tu es. Tu estás. Tu es. Est-ce que tu es là-bas? Est-ce que tu es là-bas? Regarde, mesdames et messieurs, c'est facile. Ouais. Comment nous devons utiliser là-bas? Là-bas signifie en espagnol allá. Regardez. Tu estás allá. Question. Est-ce que tu es là-bas? Tu estás allá. Est-ce que tu es là-bas? Exemple, est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous êtes là-bas? Présentez. Usted está allá. Est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous êtes là-bas? Usted. Usted está allá. Está allá. Usted está allá. ¿Cómo? ¿La gente? ¿Usted está allá? ¿Cómo? ¿Cómo vos escuchas la voz de María Elena? Me está regalando como una gallina. Usted. Voy a remedarle. Usted está allá. Ok. Regardez. Je suis là-bas. Je suis, oui. Réponse, oui. Oui, je suis là-bas. Réponse, si estoy. Si estoy aquí, non. Allá. Estoy allá. Oui, je suis là-bas. Oui, je suis là-bas. D'accord? C'est comme ça. Oui, je suis là-bas. Très facile. Oui, je suis là-bas. Oui, je suis là-bas. Ça, c'est la question. Et la question, c'était comme ça. Et est-ce que tu es là-bas? Est-ce que vous êtes là-bas?
Oui, je suis là-bas pour passer. Oui, passer. Oui, j'étais. Passer, si c'est tout. Oui, j'étais. Oui, j'étais là-bas. Oui, oui, j'étais là-bas. La question, c'était comme ça. Est-ce que tu étais, est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que tu étais là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? Réponse, oui, j'étais là-bas. Sí, yo estuve allá. D'accord. Adiós, amigos. Todo mentí. Ok. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi quelques messages, mesdames et messieurs, mes amis. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Hein? Pour continuer, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous êtes là? Ok. Allô, 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 allô. René Jean-Pierre, René Jean-Pierre, Fabien, Monsieur Mister René, how are you here? With us, let us know if you are here. Salut, 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 salut. Est-ce que vous êtes là, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi un message. Si est tombé allá. Ça c'est Pierre. Ok. Allô, 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 allô. Allô. Allô, allô. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas. Est-ce que vous êtes là? Allô, 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 allô. Alors, Fabienne, Fabienne, chère amie, est-ce que tu es là? Are you here, Fabienne? Allô, 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 allô. Allô? Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais raconter une chanson comme la soirée. Petite fleur des champs. La présentation. Allez, voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vent. Dans mon jardin, il y a les julots, des pâtes noyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Allô? Je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Amigos, ¿dónde están ustedes? Moi, je voudrais bien. ¿Dónde están ustedes? ¿Allá o aquí? Allá, hola, hola, adiós. Aló. La, 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 la. Je les voulais à
mille paillettes. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête. Je les voulais tout aux abois. Je les voulais tout dans mes bras. Je les voyais belles et fragiles. Je les rêvais belles et fragiles. Je les rêvais. Écoutez cette musique. Je les voulais. Et je écoutez cette sélection. Ma gueule, encore une fois, je me revois tel un pacha dans un grand lit plein de femmes, entouré de 100 000 paillettes. Il y avait Francine, il y avait Ginette, il y avait la Louise et Roberta. Je m'y revois tel un pacha, je m'y revois et je me noie assis tout seul sans queue ni tête. Il n'y a plus ni tambour ni trompette, tout seul ma gueule, encore une fois, tout seul ma gueule, je m'y revois. Il y avait Francine, il y avait Ginette, il y avait la Louise et Roberta. Je les voulais trop belles pour moi, je les voulais tout à mille paillettes, assis tout seul sans queue ni tête. Il n'y a plus ni tambour ni trompette, il n'y a plus la Louise, il n'y a plus Ginette, il n'y a plus Francine, il n'y a plus que ma tête, entourée de son. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Encore une est-ce que vous êtes là? Amen. Ah oui. Je les voulais à mille paillettes. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Je les voulais qui font la fête. Je les voulais moi, je dans mes bras. Je les rêvais. Bonsoir. Hola, 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 buenas noches. Je les voulais et je me noie. Están ahí. Si ustedes están ahí, déjenos saber. Si vous êtes là toujours, laissez-nous savoir. Dans un grand lit plein de paillettes, il y avait Francine, il y avait Ginette. Tout seul ma gueule, encore une fois. Tout seul ma gueule, je m'y revois. Il y avait Francine, il y avait Ginette. Il y avait la Louise et Roberta. Ok, est-ce que vous êtes là? Je les voulais toi. Je les voulais toi. Ok, est-ce que vous êtes là? Ok, si, Fabienne, Philippe, merci, on va continuer. Fabienne, are you understand? Est-ce que tu comprends? Tu entiendes? Je les voulais et je me noie. Tu entiendes, Fabienne? Todo lo que estábamos haciendo? Est-ce que tu comprends tout ce que nous étions en train d'en faire? Tout ce que nous étions en train de parler? Est-ce que tu comprends tout? Laisse-moi savoir, Fabienne, si tu comprends, pour continuer. Et s'il y a quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un okay, qui est de nouveau, okay, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Hola, déjenos saber si entienden. Yo soy. Ok, Fabi. Ok, gracias. Thank you, Fabi. Merci, gracias. Multissimas, gracias. Mon ami, mon amour, Fabi te está esperando. Ok, Fabienne est en train de t'attendre. Mon amour, Fabi está aquí. Fabi está. Fabi, tienes que decir estoy aquí. Je suis là. Fabi, est-ce que tu es là? Oh. Tu dois dire je suis ici, je suis là. Estás aquí? Ok. On a tout parlé sur là, qui signifie ahí. Estoy. Ok, estoy aquí. Très bien, bien. Ok, légenderie, estoy aquí. Bien. Ok, Fabi, ok. Seguimos. Let's continue, Fabi. Yeah, terminemos. Ok, vamos a terminar, Fabi. ¿O quieres aprender más? Est-ce que tu veux apprendre plus, Fabi? Tu veux apprendre plus? Laisse-moi savoir si tu veux apprendre plus, mon ami Fabi. S'il y a une question, Fabi, tu peux poser à une question. Laisse-nous savoir. Si tu tienes una pregunta, déjenos saber, Fabi. Fabi,
Si tu as une question, Fabi, ok, laisse-nous savoir si tu as une question. D'accord, Fabi, laisse-nous savoir si tu as une question. Je veux que Fabi est avançando. Je vois que tu es en train d'apprendre vraiment, Fabi. Tu es très intelligente. You are very smart. Ok, you put estoy, estoy, ok. Yo, estoy. Très bien, Fabi. Félicitations. Si, bien. Yeah. Diga última palabra, Fabi, mon amour. Te está diciendo estoy. Amigos, Fabi, René Jean-Pierre, Shai Pierre, un gusto, Mathieu Pierre. Y todos los amigos que nos están viendo y aún no nos han escrito, déjenos saber sus comentarios, cómo se sienten, cómo está la clase. También pueden ponernos un tema. Ok, amigos, un gusto hoy día estar en la clase y compartir con ustedes. Estamos para varias personas. Ronald y yo estamos aquí. Ok, yo estoy aquí. Felicitación, Fabi. Ok, mon amour, dale la diferencia entre y hemos hablado y. Y signifie, ok, Anne et lui. Anne et lui. Fabi, on va terminer, regardez bien, nous allons parler de « et ». Nous allons parler de « et » qui signifie « i ». Nous allons parler de « et » qui signifie « i ». Exemple, Anne et lui. Anne et lui, mon amour. Anne et lui. Anne et lui. Yeah. En espagnol. I. Anne et lui. I. Regardez. Cualquier nombre que ustedes quieran para saber que son dos personas o más personas que van a hacer cualquier actividad. Marco. I. Exemple. Je vais utiliser nom Fabienne. Exemple, Fabienne. Fabienne. Et. Fabienne et Pierre. Fabienne et Pierre. Estant Aya. Fabienne et Pierre sont. Fabienne et Pierre sont là-bas. Fabienne et Pierre sont là-bas. Fabienne et Pierre están. Fabienne et Pierre. Regardez. Ce sont des exemples. Fabienne et Pierre sont là-bas. Fabienne et Pierre sont là-bas. En espagnol, très facile. Comment est-ce qu'on dit ça, madame? Fabienne et Pierre están allá. Despacio. Fabienne y Pierre están allá. Mm-hmm. Allá no tiene tilde. Allá. No. No. Ok. Sí, sí tiene tilde, perdón. Allá. Fabienne y Pierre están allá. Ok. C'est tout pour ce soir. Es todo para el día de hoy. Es todo para esta noche. C'est tout pour ce soir, Fabi. No pregunta.
Ok, Fabi. Fabi, no pregunta. Está bien. Ok, ok. No pregunta. Ok, no hay ninguna pregunta. Entonces, un gusto, amigos. Prepárense para la siguiente clase. Ya saben, el otro sábado están invitados al matrimonio con este hombre y conmigo. Fabián, ok. ¿Cómo? El otro sábado. Dígale. El otro sábado están invitados todos para el matrimonio de okay. Este hombre conmigo. Samedi prochain. A ver, despacio, vamos. Yo traduzco. Ah, ok. Ah, ok. Samedi prochain, c'est le mariage de Marie-Hélène et moi. Mais j'ai déjà dit que je ne veux pas marier. Marie-Hélène veut marier avec moi, Fabienne. Je ne veux pas marier. Marie-Hélène vous invite. Marie-Hélène vous invite dans son mariage. Marie-Hélène vous invite dans son mariage. Mais moi, j'ai déjà dit non. OK. Ya me dijo sí. Me dijo que sí. Ahora nomás. Marie-Hélène vous invite dans son mariage le samedi prochain. Avec qui? Con quién? Avec qui elle veut marier? Con quién ella quiere casar? Con este. Moi, je ne veux pas marier. Marie-Hélène veut. Ok. Marie-Hélène veut vous inviter dans son mariage. Et elle a déjà choisi l'homme qu'elle va marier. Mais l'homme, cet homme, c'est moi. Moi, j'ai déjà dit non, je ne veux pas marier. Alors, je ne sais pas comment elle va marier. Me dijo que sí. Entre nos, me dijo que sí. Está tímido ahorita, no quiere hablar. Yeah. Elle veut m'épouser. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Fabienne, merci, merci, merci. Merci, Fabi. Gracias. Merci, Fabi. Gracias, amigos. Una buena noche. Y hasta el próximo miércoles, 7:30. Ok, inviten más amigos y sigamos aprendiendo el idioma. A mercredi, ok, a mercredi prochain, a mercredi prochain, l'autre semaine, nous serons ici une fois de plus pour travailler l'espagnol et français avec vous, l'espagnol en français avec vous, le mercredi à partir de 7h30, mercredi prochain à partir de 7h30, nous serons ici pour les classes, d'accord, pour les cours de français et d'espagnol. Merci, merci, mes amis, d'être avec nous. Alors, je vous dis un grand merci, je vous dis un grand merci. D'accord? Merci, Fabi. Et tu es toujours là? Are you here? Et mon amour, pregunta à Fabi, si está aquí. No tiene pregunta. No hay pregunta, Fabi. Si tout seul sans que ni tête, tout seul ma gueule encore une fois, je me repose. On va prier. On va prier, merci Seigneur. Nous allons prier pour terminer. Avant de terminer, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta faveur. Nous te disons un grand merci pour ta protection divine, Seigneur. Merci, Seigneur, tu nous as fait tes instruments. Tu nous as fait tes instruments. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous protéger. Nous te demandons de nous remplir avec, Seigneur Dieu, ta grâce et puis ta paix et avec ton amour. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus. Et merci pour chacun de nous. Merci pour mes amis. Merci pour chaque ami qui était avec nous, qui est toujours avec nous. Nous te disons un grand merci pour tous.
Nous t'en prions dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Amen et amen. Amen. Vamos a escuchar una música en español. Ok. Musique en espagnol, écoutez. Comment se llama? Ok. Ok. Musique en espagnol, écoutez. Je fais. Habla, mon amour. Estoy feliz. Habla, madame. Estamos buscando la musiquita y yo quería ponerle, pero queremos que se escuche mejor, ¿ok? Sabe mantener el pueblo. No. No se olviden. El otro miércoles a las 7:30 y el sábado, todos listos para el matrimonio. Pero no le digan al Ronald, porque si no. Él es tímido.
La música está tan buena. María Elena, la música está tan buena. Pero, ok, para terminar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Nadège Germain, merci pour ta présence. Estoy feliz también, dice Fabián Philippe. Fabián, buen trabajo. Está, ok. Hasta miércoles, si Dios quiere. En el nombre de Jesús, Dios quiere. Ok, bueno. Gracias, Fabi. Thank you, Fabi. I see you on, ok. What do you say? Wednesday. Wednesday. Ok, ok. On se verra, Fabi.
mercredi prochain, à la même heure, à la misma hora, estaremos aquí trabajando con el español y francés. Yo les agradezco mucho. Je vous remercie de vous en avoir ici. Je vous remercie d'être avec nous, mesdames et messieurs. Et puis, un accueil en chaleureux pour vous-même. Et puis, je ne sais pas quoi dire. Mais quand même, je vous dis un grand merci d'être avec nous. On se verra à mercredi prochain. Au revoir, au revoir, au revoir Fabi. Au revoir Nadège, au revoir Nagerie Germain. Nadège Germain, au revoir. Au revoir Pierre, merci. Et Pierre, merci. Au revoir Mathieu, au revoir. Et puis Legendry, au revoir. Laissez-moi saluer à tout le monde qui était avec moi. Et puis qui est encore? Nous avons René, Jean-Pierre, merci. Merci, merci de vous en avoir, merci. Chai, Pierre, merci. Ok, à mercredi et Wednesday. Hasta miércoles estaremos aquí. Ok. Este adiós, trabajo amigos. Es el trabajo de María Elena Pérez. Ok, es tu trabajo. Adiós, amigos. Hasta el día miércoles. Una buena noche, un buen fin de semana. Que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre de Jesús, estamos viéndonos el miércoles. Saludos. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On se verra mercredi prochain. Au revoir, chers amis. Au revoir.